Aujourd'hui encore, le concept d'habitation MaxiPlace fait parler de lui. Inauguré il y a un mois, les nouveaux immeubles de la société présentent des dysfonctionnements évidents. Ce système, qui permet d'agrandir son appartement en récupérant l'espace impayé de son voisin, crée des problèmes de voisinage. Ce matin, un locataire, Albert Martin, s'est trouvé emmuré dans son appartement car sa porte d'entrée passait chez le voisin. Sa femme a alerté les secours, mais ceux-ci, débordés, n'ont pas pu se déplacer rapidement, laissant le pauvre homme enfermé plus de 24 heures. Et maintenant, une page de publicité. Un nouvel enfant ? Vous vous sentez à l'étroit chez vous ? Agrandir son appartement quand on le souhaite, c'est désormais possible. MaxiPlace, donnez de la place à vos ambitions. Bois. Bernard. C'est plus possible. J'ai toujours aidé mon prochain. Oui, c'est comme ça, je ne peux m'en empêcher. Ma mère me disait toujours, « Oh, j'ai jamais connu un type comme toi. » Et je ne pouvais pas vous laisser toute seule dans ce couloir. Mais vous avez fait tout ça pour moi ? Oh, monsieur le duc, c'est tellement gentil.
Je sais pas comment vous remercier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous trouverons. C'est pas possible, il sait faire que ça, celui-là. Oh non, je vous assure qu'il est capable de bien d'autres choses. Mais il est si nerveux en ce moment. Et le pauvre, il a perdu sa mère il y a quelque temps, alors... Il a perdu sa mère? Vous inquiétez pas, il la retrouvera! Oui, enfin, il a quand même essayé d'en finir avec la vie, hein. Avec des gros légumes. Et puis, il n'a fait que une fois l'amour. Ben, on dirait pas, pourtant! En tout cas, c'est pas une raison pour empêcher les autres de le faire. Mais il nous empêche pas. C'est vous qui vous en empêchez, là. Eh bien, alors, je vais l'en empêcher. De m'en empêcher. C'est pas possible d'être aussi sale. Maintenant, nous ne serons plus dérangés. Bon. On en était où? Ah mais non, pas maintenant, voyons. Regardez comme Chichi est effrayé. N'importe quoi. Mon petit pou. Hé, regardez cette lapine. Elle est pas trop mignonne. On dirait un rat. Oh non. Oh, je trouve pas, hein. Oh, et puis, elle serait comblée de bonheur par mon chichi. Oh non, 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 non. Et puis, c'est pas la peine d'insister, je ne changerai pas d'avis. Oh non. Oh, bah voilà, encore un qui vient se plaindre. Ah, vous. Écoutez, mon vieux, si je suis tolérant avec vous, c'est parce que vous êtes spécial. Enfin bon, même si vous avez perdu votre mère, ce n'est pas une raison pour faire tout ce vacarme. Hein? Enfin, regardez-vous, là, vous êtes un véritable obsédé sexuel. Il faut vous faire soigner, mon vieux, hein. Ne vous approchez pas. Restez là où vous êtes. Je ne fais qu'appliquer la loi, hein. Si, ah bah tiens, voilà. Oui, oui. Fonctionnement des appartements. Article 6. Le locataire est habilité à agrandir sa surface de vie auprès des bornes destinées à cet usage et sans limitation. Aucune contestation ne sera prise en compte par la société MaxiPlace. Toute entrave à l'étendue de superficie sera fermement condamnée. Taisez-vous. Sachez, cher voisin, que quand on ne peut plus payer, au moins, on se fait discret. Hein? Discret, la discrète. Non, mais lâchez-vous! Aïe, aïe! Voilà! C'est pas grave! Vous! Pardon, je sais pas comment vous vous appelez parce que. Bah, comme vous parlez jamais, c'est un peu dur. Mais. Peut-être que je pourrais vous donner un prénom? Alors. On pourrait dire
Par exemple, que c'est... Kiwi, ça vous plaît? Oh, oh, quelle bonne idée! Oh, je trouve ça super de mettre du vernis sur un gant de vaisselle. C'est toujours tellement moche, les gants de vaisselle. Que... Tenez. J'ai trouvé ça chez moi, j'ai pensé que peut-être ça vous ferait plaisir. Vous savez, moi aussi j'adore les grosses vaches, hein. Non! Oh. Plus de fringues, plus de femmes, même pas une tante. Je n'ai plus rien. Elle te donne encore envie. Ah, il pue ton pull. Eh, regarde-moi ça. Mais je vais te dire. Ben lui, il y connaît rien avec les femmes. C'est pas y faire. Mais regardez comme Chichi est triste. Non, 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 et Renaud ! Il voulait une copine et vous, vous lui ramenez Jean-Poil. Bon, il est sympa, hein, mais bon. Mais vous savez, il a besoin qu'on s'occupe de lui, hein. Et moi? Qui c'est qui s'occupe de moi? Tenez. C'est pour moi? Regarde! Je crois que ce soir, il y a soirée. Oui, et oui, c'est très bien. Je peux sauter. Attention, parce que vous allez casser le Ma mère me disait toujours, tu es le seul à me surprendre. Barre-toi, le duc. Alan, fais quelque chose. Allez, wow. Deux, cinq, six, sept, huit, neuf, 13, 14.
désolé, c'est parti tout seul. Hé, mais... C'est quoi ce petit truc qui pendouille, là? Merde! Ils nous ont grillés. C'est le voisin. Il nous voit. Kiwi? Merci pour moi, là. Ça va? Elle nous laisse regarder. Chercher une bière. Oh, Kiwi, on est là. Ouais, je vais pas te louper cette fois, moi. Ah non, 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 vous faites pas mal à Kiwi. Lâchez-moi. Je vais le peler, le géant vert. Le découper en rondelles, en faire de la purée. Kiwi, Kiwi, prenez toutes vos affaires. Partez, fuyez. Kiwi. Kiwi. Kiwi, réveille-toi. Kiwi. Kiwi. Kiwi, j'en ai marre. J'en ai marre, on avait 10 personnes d'autre que les lapins dans le lit. Monsieur le Duc, j'ai une certaine expérience avec les femmes. Oui, oui, elles disent de moi, enfin ma mère dit de moi que si je n'existerais pas, il faudrait m'inventer. Je possède un modeste appartement de 485 mètres carrés que je partage avec ma passion de toujours, les animaux. J'ai une autre passion, c'est le bricolage. Je bricole du matin au soir, je bricole avec les animaux, tout le monde bricole en cœur dans cet appartement de 485 mètres carrés parce que je pense... On remercie, monsieur le Duc. Mesdames, pour être mises en contact avec ce charmant célibataire, n'hésitez pas à appeler notre standard.